l'idée a commencé à circuler que finalement nos pays, je ne dis pas seulement le Sénégal, nos pays avaient fait toutes ces années de l'ajustement économique, structurel, mais que ça n'avait pas produit les résultats qu'on en attendait. Et que donc il fallait maintenant passer à l'ajustement monétaire pour donner à nos économies la compétitivité. Le 12 janvier 1994 à 0 h, le franc CFA qui valait 2 centimes n'en vaut plus qu'un seul. Une dévaluation de 50% qui touche les 14 pays de la zone franc. M'a dit, Monsieur le Président, avec la cote que vous avez dans votre pays, vous devez accepter de prendre des décisions impopulaires parce que vous seul, vous pouvez les faire accepter. Bon, il avait raison. Mais en même temps, cette cote, à ce moment-là, elle dégringolait. Hein? Mais j'étais obligé de le faire. Et un jour, un syndicaliste m'a dit, mais Monsieur le Président, pourquoi vous voulez accepter de faire ça? J'ai dit, mais j'ai le dos au mur. Si je ne le fais pas, peut-être qu'à la fin du mois, vous ne percevrez pas vos salaires, vous les fonctionnaires. Parce que je n'aurai pas les fonds que j'attends. Et finalement, bon, les gens acceptaient bon gré mal gré. Mais ça se ressentait, hein. Après, aux élections suivantes, on voyait l'érosion se faire. C'est à ça qu'on sert aussi.